Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous, by bon Dieu, en action de grâce qui accorde nous. Privilège ça encore une fois pour nous en présence, li, adorer en esprit et en vérité. Et pour nous continuer, dire bon Dieu à l'époque éteint. Nous allons considérer deux textes ensemble avec vous. Premièrement, c'est Exode 27, verset 20-21. Deuxième verset, c'est Ésaïe, chapitre 11. OK, Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, verset 2, à la gloire de Dieu. Deux textes à considérer, Exode, chapitre 27, Exode 27, verset 20-21. Et puis, deuxième texte là, c'est Ésaïe, chapitre 11, verset 1er et verset 2. N'a fonti qu'on peut pour nous faire lecture ça à la gloire de Dieu. Exode, chapitre 27, verset 20 et verset 21. Après ça, on a traversé dans Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et verset 2. Qui boit mes textes en plein? Exode 27, verset 20-21. Ok. N'appelons ensemble 3, 4. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Verset 21. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent, qui ça? Du soir au matin, en présence de l'Éternel. Et puis il dit, c'est une loi, qui ça? Perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 à 2. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 à 2. OK, on a plus ensemble. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Acclamez la parole de Dieu pendant Wachita. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Pas oublier qu'il y a deux textes sous yeux, parce que y a pas aider nous dans le sermon à soir. La lumière lui fait partie de l'un des éléments nécessaires dans la vie de l'homme. La lumière, c'est un élément essentiel dans la vie de l'homme. C'est peut-être ça, ils ont considéré la lumière tant que son nécessité. Il y a une différence entre un besoin avec une nécessité. Qui ça me dit là? Hein? Il y a une différence entre qui ça? Il y a un besoin avec une nécessité. Par exemple, l'aime boire de l'eau, m'a pas boire de l'eau parce qu'elles ont nécessité. Même boire de l'eau parce qu'elles ont qui ça? Ils ont besoin. Moi manger parce que me dois vivre, mais si me pas manger un jour, m'a pas mourir. Parce que manger pas une nécessité, mais manger son besoin. Donc dans la vie, faut qu'a faire différence entre un besoin avec qui ça? Avec une nécessité. Donc, il y a nécessité son bagage ou pas qu'à vivre sans lui. Ou pas qu'à vivre sans lui. Donc, ça, c'est une nécessité.
Donc la lumière, prêtez attention, c'est une nécessité. Il y a monde qui va le dire expliquer samedi. Si pas bon soleil qui lève le matin, on va mêler. Et pas gen moun ka fè pièce activité si pas bon soleil qui lève. C'est ça qui fait lumière soleil la li tellement frappé ou après même lorsqu'on en dans la caillou même si fenêtre ou fermé mais rayon lumière soleil la li entre quand même. Donc si pas bon soleil qui pour éclairer ou regardez même lorsque pas gen pleine lune là ou marcher dans la rue faut qu'on flash qui ben dans moi, pas vrai? Donc lumière là on monde pas qu'à vivre sans lumière parce que la lumière est une nécessité. Tendez l'église, la vie n'a pas de sens sans la lumière. La vie n'a pas de sens sans la lumière. Et ça tombe à comprendre auteur ça qui chante cantique. Moins de soleil la vie a dans moi. OK, même Jean soleil la baie la vie à tout fleur sous la terre. Et puis il dit Jésus c'est soleil pour moi qui t'est venu bam la vie. Gion l'autre qui continue on cantique, il dit sans Jésus moi pas capable de vivre. Moi pas ça faire en seul pas. Et puis il dit c'est lui-même qui ça seul moi t'a voulu suivre et puis il dit m'a suivre lui jour ça kaba. Pour qui ça? Parce que rien moins pas gain pour me peur. Puisque sauve ma veille, donc m'a suivi li, sans moi pas jambe crainte, li pap qui témoin né. Donc, la vie pas de sens sans la lumière. C'est ça que fait, la première chose que Dieu a créé, c'est la lumière. Premier bagage, bon Dieu, te maintenant tête pour te créer, c'est pas l'autre bagage, c'est la lumière. Alors, regardez dans Genèse, chapitre 1er, verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Bon Dieu t'a gagné un plan pour te créer l'homme. Pour qui ça va te créer l'homme dans le premier jour? Pour qui ça c'est juste dans le sixième jour la prétendre pour créer l'homme? Et on regarde, bon Dieu prend premier, il prend deuxième, il prend troisième, jusqu'à ce qu'elle arrive sur l'homme. Donc, le bon Dieu crée l'homme, l'homme vient jouer tout bagaille qui est préparé. Donc, premier bagaille que bon Dieu crée, c'est la lumière. Répète avec moi, la lumière. Répétez puis fort toujours la lumière. Donc c'est la lumière qui va râler le soleil. C'est la lumière qui va râler la lune, les étoiles. Prêtez-moi attention. Le soleil, ce n'est pas lumière liée. Mais le soleil, il communique l'homme lumière. Bon, moi, bon. Soleil, pas lumière. Mais soleil, il communique nous la lumière. Parce que avant le soleil existait, la lumière était là. D'ailleurs, bon Dieu créé, je nous ai dit, la lumière dans la première occasion, le premier jour. C'est la lumière qui parle râler le soleil, c'est la lumière qui parle râler la lune, c'est la lumière qui parle râler les étoiles. Donc voilà pourquoi ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ils ont tout à disparaître un jour. Est-ce que l'église est là? Ni le soleil, ils sont encore. Ni la lune, ni les étoiles, elles disparaissent un jour. Mais la lumière, elle est éternelle. Est-ce qu'on acclame, bon Dieu, pour la lumière? Donc, c'est ça que fait le lit Apocalypse, où après que dans la grande tribulation, les astres prennent frappe. Le soleil prennent réduit dans l'éclat. La lune prennent réduit dans l'éclat. Les étoiles, texte a dit que les étoiles capables tomber du ciel. Mais la lumière a prêté sa lumière. Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Donc voilà pourquoi lumière est plus grand que le soleil, est plus grand que la lune, et lumière là est plus grand parce que les étoiles. Est-ce que tu comprends ça? Même Jean, ou regardez, l'homme a pile bagaille que le besoin pour vivre. C'est même Jean tout, ou regardez, dans tout côté l'homme a fait. La lumière doit toujours suivre lui. L'homme toujours bat pour que lumière marche avec elle, quel que soit côté le bralé. Parce que sans lumière, la vie n'a pas de sens. C'est ça que vous apprenez, par exemple, vous apprenez dans toute caille qui est en Haïti, qui est dans le monde, il y a une lumière. Est-ce que vous m'avez dit? Toute caille qui est lumière.
Ou après, les riches là, ils ont une génératrice, ou bien ils ont un grand système panneau solaire, et puis, depuis le besoin de lumière, en église, stat là, et puis lumière jaillit. Pour le selfie, pour le plonger, frigidaire, plonger, fou, plonger, tout le bagage, il a besoin. Et surtout, aux États-Unis, son grande puissance, il n'y a pas qu'à grande puissance sans lumière, sans électricité. Parce qu'il y a des grands compagnies pour fonctionner, c'est avec lumière pour fonctionner. Et ça fait avant de prendre courant aux États-Unis, qu'on annonce parce qu'on respecte. Yozou, après combien de jours, ok, il y a un petit blackout, il y a un bon petit blackout, Yozou, préparez-vous pour attendre un blackout. Mais Haïti, aïe, mais ça ne peut pas y avoir. Donc, je me souviens dernièrement, je suis là. Et puis, ça t'a touché. Je me regardé depuis que je suis allé, je me fait plus de 15 jours. Je n'ai pas jamais pris courant. C'est la seule fois que je prends courant devant. C'est lorsque la pluie t'a tombé, les pieds bois commencent à me renverser. Après, je file qu'on casse ton bâtard. Et puis, je prends courant pour quelques heures de temps. Rapide, vite, je suis en Bali. Mais Haïti, yo fait chaque Haïtien tourner et DH tête. Ou la soupe à dégager, mais ton petit con là, caillou, c'est pas pays qui a baou. C'est ça que pays a pas jamais qu'a grandi, c'est pas un système de lumière. C'est dommé là tout près nous, même dans rage à mettre lampe. Rage côté bête à passer, moun pas passer, non, yo mettre lampe. Parce que je ne connais pas l'heure comme ça, car les bagailles qui fait dans la zone, la lumière là, les chasser fait noir. Elle garde bien pour elle, lorsque on compte la lumière, pas qu'il y ait des blousailles qui fait là. Lorsque on compte la lumière, il y a des mouis kidnapping. Lorsque on compte la lumière, elle garde surtout en Haïti, tout côté malfaiteur, il y a une lumière libre pour le tuer lumière. Je vais vous dire. Depuis qu'on compte la lumière, mettons un pour la zone, il y a une belle papa, il dit les m'a volé le gaou, on a découvert qu'il y a semé, les m'a tourné choual, tourné cochon, il y a quoi qui est, et puis le fond interpellation, li étenza. Voilà pourquoi notre pays n'a pas grandi dans le niveau pour le grandir. Parce que le pays n'a pas grandi sans la lumière. Répétez ça, me dit, le pays n'a pas grandi sans la lumière. Donc, ou gen lumière la caillou, et ou abgade, grand nèg la. Il prend génératrice et puis il balance le gain lumière. Malheureux, il n'y a pas ni cop pour la génératrice, ni cop pour le système solaire qui s'alve. Il prend lampe redop et puis il met gaz là-dedans, il passe à lui mettre lumière. Donc même Jean Grenet a gain lumière, malheureux a gain lumière. Même si lumière est différente, mais tous les deux jouent la même fonction, ils éclairent l'homme. Donc la lumière est très importante. Et ça fait si je dis chaque monde, mon thème téléphone, nous. La difficile ou pas qu'on flash des téléphones. La difficile. Mais mon petit téléphone est d'embaiser, la bon flash quand même. La bon flash quand même. Parce que l'homme connaît qu'il y a des côtes rivées ou pas marche avec flash dans le monde, c'est téléphone qui a sauvé. Et ça fait tout téléphone qui met dehors, qui met des flash là-dedans. Là où il y a des flash, il y a des lumières qui a éclairé pour l'homme capable de passer. Donc, puisque Dieu lisse lumière, bon Dieu voulait tout le monde qui a suivi lui pour marcher dans la lumière. Ben, moi, prendre. Puisque le royaume de Dieu, Dieu est lumière. D'ailleurs, dans Psaume 27, verset 1, il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il fait un ministère. Jésus parle fond déclaration. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit, regardez, je suis la lumière qui bagaille du monde. Et puis il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Est-ce qu'on a crié vive lumière? Est-ce qu'on a crié vive lumière? Donc la lumière est très importante pour l'homme. Voilà pourquoi, bon Dieu, j'aime ce jour-là, tout le monde qui suit bon Dieu toujours voulait pour que les gens aient lumière dans la ville. Et après, même dans le tabernacle, nous parlons de deux bagages à soi. Le chandelier dans le tabernacle,
Et deuxièmement, nous parlons le Saint-Esprit. Qui c'est, ok? Qui c'est un représentant de chandelier. Donc, chandelier sont symbole du Saint-Esprit. Qui valeur que Saint-Esprit portait dans la vie chrétienne. Ou après, le bon Dieu t'a tracé tabernacle. Il dit Moïse, ou a fait tabernacle selon modèle ou joint en l'air. Attendez, oui? Il dit Moïse, ou pas qu'il doit faire souffler. Ou a fait ça pour me garder, ça me voulait ou faire, c'est lui ou a fait. Ou a fait tabernacle selon le modèle qui est en l'air. Et puis il dit Moïse, ou a mis ton porte, confine-moi le porte là, ou a mis un hôtel de rein. Confine-moi hôtel de rein, ou a mis ton cuve de rein dans le parvis, dans la cour. Et puis il dit Moïse, mais qui j'en fait, mais qui j'en fait sanctuaire pour moi. Ou a fait un lieu saint. Lieu saint, on va gagner trois bagailles. Il va gagner la table d'épée. Deuxièmement, il va gagner l'hôtel d'or ou bien l'hôtel des parfums. Et troisièmement, il va gagner un chandelier. Chandelier, c'est une lampe qui a sept branches. Il a une branche principale. Et puis à gauche, il a trois branches qui connectent avec elle. À droite, il a trois branches qui connectent avec elle. Donc, bon Dieu, mettez un chandelier dans le tabernacle. Et les Moïse, mais qui j'en a fait lieu très saint. Ou à mettre l'arche de l'alliance en dans le lieu très saint. Elle dit, Moïse, ou à mettre deux chandeliers. Ou à mettre deux chérubins qui représentaient les anges. Maintenant, qui a surveillé la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, le tabernacle, le sanctuaire de Dieu, n'est pas fait sans lumière. Ou imaginez, bon Dieu, dit Moïse, ou à fait tabernacle selon le modèle qu'on a en l'air. Voilà pourquoi le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Donc, depuis on a servi bon Dieu, il faut le remettre lumière. Il faut le remettre lumière. L'église qui a servi bon Dieu, il faut le remettre pile lumière, en pile éclairage. L'homme entre dans l'église, faut, même s'il perd son bagage à terre, il faut le faire, ça le perd du ya. Parce que l'église lui représente le royaume de la lumière. C'est très important. Donc, vous imaginez, lieu saint de lumière, lieu très saint de lumière. Et m'a demandé pour qui ça, bon Dieu, t'es obligé de mettre sept branches pour selon lieu saint. Bon Dieu, vous l'avez dit, sacrificateur, les rentrer pour album service, c'est pour à l'aise. C'est pour vivre retourner pour à l'aise, parce que lumière éclaire tout lieu saint. Sacrificateur à l'aise, parce que le chandelier l'éclairait le lieu saint. Et même dans le lieu très saint, tu as parlé de la gloire de Dieu, le Shekinah, qui t'a parlé éclairer le lieu très saint. Et c'est ça que fait bon Dieu, il remet la lumière. Et puisque bon Dieu remet la lumière, il veut le monde qui a servi le tout pour remet la lumière. Donc, on a regardé ensemble avec vous dans Exode 27, verset 20 avec 21 concernant le chandelier, ou bien qui c'est la lampe de Dieu. Exode chapitre 27. Exode chapitre 27. N'a plus ensemble. Est-ce que toute l'église là? Exode chapitre 27, verset 20, verset 21. N'a plus ensemble. Il dit, tu ordonneras aux enfants d'Israël qui bagaillent. Est-ce que l'église là? Est-ce que l'église là? Je vais lire encore Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter qui bagaille pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Verset 21. Il dit, c'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui est dans le qui ça? Témoignage. Caron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. Et puis, regardez qui ça dit, oui, c'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. Bon Dieu, met ton chandelier. Il dit, Moïse, mais qui j'en fait? La tige principale et notre tige principale, là, il y a trois à droite, trois à gauche, fait sept. Elle dit, Moïse, mais qui ça m'a fait? Faut peuple apporter l'huile pour être capable de toujours fournir l'emplant. Pour l'emplant, pas jamais manquer l'huile. Et puis il dit, il faut que l'emplant brille du soir au matin.
Prêtez-moi attention. Voilà pourquoi notre Samuel là, texte là dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça qui fait le poco éteinte, parce que bon Dieu t'a étant dit, depuis dans Exode 27, que la plante est doit l'humain depuis dans Assoué, arrive juste demain matin. Prêtez-moi attention. Nous allons considérer deux bagages ensemble avec vous. Chandelier, c'est l'image du chrétien. Après ça, nous allons prendre un chandelier comme étant l'image du Saint-Esprit. Est-ce que l'église là? Premièrement, qui ça me dit? Chandelier comme image de qui est? Du chrétien, image moi-même, image vous-même. Et nous avons un chandelier qui c'est l'image du Saint-Esprit. Prêtez-moi attention. Ou après, moi souligner qu'il y a quatre bagages. Clé dans le chandelier, dans l'ampe l'éternel là. Premièrement, il y a corps chandelier. J'aime te dire tout à l'heure, chandelier a une tige principale. Et dans la tige principale, il y a trois sortes ici, il y a trois sortes ici. Donc, premier bagage, c'est le corps du chandelier. Tout corps chandelier a posé sur une base. Il est posé sur une base. Après, au fin, il y a corps chandelier, il y a base chandelier. Maintenant, on parle de l'huile que vous videz dans chaque branche. Et après, l'huile là, c'est du feu. Donc, il y a quatre bagailles comme tu as mis souligner. Premièrement, c'est le corps du chandelier. Deuxièmement, c'est la base du chandelier. Troisièmement, c'est l'huile pour le chandelier. Et quatrièmement, c'est le feu du chandelier. Vous regardez si l'église là, premièrement, c'est qui ça? Bah, attendez-nous. Le corps du chandelier. Répète avec moi, le corps du chandelier. Répétez ça plus fort toujours, le corps du chandelier. Deuxièmement, la base du chandelier. Troisièmement, l'huile pour le chandelier. Et quatrièmement, c'est le feu du chandelier. Bon, regardez si l'église est là. Premièrement, qui s'en dit? M'attendez, premièrement. Deuxièmement. Troisièmement. Et quatrièmement. Quand on regarde les gens qui sont là, disent pas oublier ça ou son chandelier. Disent pas oublier ça ou son lampe pour bon Dieu. Ou même quand on troisième, on dit pas oublier ça, mais ça dans la tête ou son lampe pour bon Dieu. Donc même je chandelier à ton corps, c'est même je tout le chrétien. La Bible dit comme ça que ne savez-vous pas que votre corps est le qui ça? Est le temple du Saint-Esprit. Donc le corps du chandelier, nous sommes dit que le corps du chandelier a une tige principale. Elle a trois branches à droite, trois branches à gauche. C'est même surtout la branche principale qui représente les chrétiens. Et chaque branche qui sort dans lui, lui représente différents domaines que bon Dieu a accompagné. Donc, ou pas seulement qui ont onction pour vous seulement. Mais l'onction de Dieu qui habitait dans vous, l'accompagne dans toute bagaille qu'il a fait. Est-ce que l'église a jusqu'à présent? Est-ce que le peuple bon Dieu a là jusqu'à présent? Donc, chandelier, il y a plusieurs branches qui connectent avec ton principal là. C'est même surtout, toute bagaille en chrétien a fait, il y a l'huile qui accompagne. Ça veut dire, les gens travaillent, il y a l'huile qui accompagne dans notre travail. Là où sorti dehors, gon l'huile de protection qui accompagne vous. Donc parce que chandelier pas gon seule branche, il te gagne plusieurs branches. Et me déclarer sous la vie l'église là, c'est pour tout soit entreprendre, c'est pour l'huile là accompagner vous. C'est pour tout quand on arrive, c'est pour l'huile là accompagner vous. Quel que soit pays quand on met pied, c'est pour l'huile là accompagner vous. Donc corps chandelier, c'est l'image du corps du chrétien. Et tout côté direction le fait. Maintenant, attendez, oui, il y a l'huile qui est dans chaque branche, quelle que soit la direction le fait, il y a l'huile spéciale. Et si on regarde des gens qui sont contents, on dit pas oublier ou son chandelier. On m'a dit ça, on dit pas oublier ou son lampe pour éclairer pour mon Dieu. Donc le corps du chandelier représente la vie du chrétien. Deuxièmement, c'est la base. Force chandelier, c'est pas dans branche, non? Mais c'est dans ce qui s'achita. C'est qui ça qui fondement chandelier. En branche, en chandelier, il y a sept branches. S'il pas de bon base, il est tombé déjà. C'est base là qui kembe tout le poids chandelier. C'est
c'est même tout la base lui représente Dieu. Il y a des gens qui l'ont fait contre lui. Ils ont jeté les gens. Ça fait qu'on ne peut pas jeter parce que racine lui, ce n'est pas sous l'atelier. Racine lui, c'est bon Dieu. Et ça veut dire que les gens fait contre tout. Regardez que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ma droite. Pas rien qu'à fait. Ça fait pas rien qu'à fait. Ce n'est pas pour rien qu'on brouille. Ce n'est pas jeûner qu'on jeûne. Mais passe-moi, c'est bon Dieu. Base chrétien, c'est bon Dieu. La base du chrétien, c'est le sang de Christ. Que les fantômes jetons déjà petit temps. Que les fantômes mangeons déjà petit temps. Que les fantômes voyons en bas terre. Avant l'heure, amen, amen. Mais là, il y a besoin de faire planification. Et puis, base la qu'un bébé. Après, je tape la gloire à terre déjà. Que des zones où aller, souvent, on base visite, on mange. Que des localités où aller vivre, papa. Souvent, que bon, j'ai servi en dedans. Sous la robe de Dieu qui pendait en dedans au petit, il y a volé aller. Même que courage pour me dire, que des mounoua qui nous zone, même si elle parle représentant, mais le gombas qui est belle. Et ce grand des mounoua qui m'a contre la dit, ouais, mais c'est peur. Gombas qui est belle, ouais, mais c'est peur. Gombas. Alléluia. Les affaires ont été dit, l'âme sentime triste, c'est l'âme chercher. S'il partait là, alléluia, ça bouille. Mon Dieu, que franchit là. Méchant, ta poteau allait déjà. Espère dit, tu as fait accident déjà. Et puis, pendant que tu fais bagarre là, bon Dieu, dévié bagarre là. Et ça fait tout le bagarre qui vont que j'aime, t'as dit, bon Dieu, merci. Même s'il ne comprend pas, merci. Même si je ne peux pas discernement, merci. Parce que la vie ici va pas un accident. Même si je suis pour son grand mari, attention, je ne pas pour contre moi. Je suis caché en dedans une grande bouteille. Et que des bagailles qui sont en bas, ils ont déjà mangé. Mais la frappé. Non, pas là. C'est ça qu'il faut chuter là. Jésus. Et demandez que sans Jésus asperge la vie peuple ça. Par contre, qui ça fait contre vous, même vous, vous blessez vous. Là, vous regardez, là, vous pour un accident. Vous voyez un petit bis sans gador. Et me sorti, bon Dieu, a dit avec un monde qui là. Les plantes vont jeter là. Les a passé déjà. Les plantes renversent là. Les passé déjà. Les plantes, regardez. Les plantes vont quitter l'évangile là. Les passé déjà. Alléluia. Nous chrétiens qui assurance, même si vent a voté, lui campé là, sur le roc solide, acclamer la base de Dieu, qui fait sous la vie, qui fait chita là, assoya, l'église. La base, c'est l'image du Père qui kembe chrétien. C'est l'image du sang de Jésus à Golgotha qui kembe chrétien. Bon, nous bagaille, il y a un plan, j'ai le temps de briller. Il n'est pas brillé pour ça. Et puis, ennemi, on t'a remis renversé. Et puis, sans Jésus, quand elle dit, attention, moun sa coûte m'cher. M'te fait 6 heures de temps à Golgotha pour moun sa. M'souel pas bien habillé. Attention, avec. Parce que, amen, amen, amen. Depuis à 9 heures du matin au vendredi, m'te pendu son croix. Maman m'la gemme de là. Disciple m'la gemme de là. C'est pour grand le monde ça. Et m'sorti bon Dieu à terre avec un grand monde. Ou coûte bon Dieu cher. Si bon Dieu t'a vendu nous déjà. Si bon Dieu t'a passé ou pas ta flamme, madame. De quoi tu rentres dans salle opération. Dans salle opération, donnez. Le Père entré. Le Fils entré. Le Saint-Esprit entré. Et puis les deux mots de l'enfer dit. Il n'y a pas qu'à comprendre ça qui a passé là. Bon bagage, il n'y a pas qu'à comprendre. C'est vrai. Parce que les chrétiens n'est jamais seul. Est-ce qu'on a levé mes en l'air? Moi confie en Christ, moi confie en Christ. Pour amour pour moi. Ou toujours aider. Amen. Seigneur, sinon. Papa, Seigneur, sinon. Levez mon nom, dis ça. Hein? Moi confié, non, ou dis ça, non, madame. Et pour amour, aïe, 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 ou toujours été, l'aime, non, besoin, Seigneur, Seigneur. Oh, Seigneur. Levez mon l'église, moi confié,
Mais confie-moi dans où. Aïe aïe aïe. Mais confie-moi dans où. Son réalité. C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Si le patrimon pas tapchita là, ou toujours aider. Là non. Hey, 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 hey. Seigneur, c'est dans où. Moi confie. Ça c'est bon Dieu parle avec mon ami. Seigneur, c'est dans où. Oui, moi confie. Moi confie. Hey. Moi confie non pour l'amour gain ou toujours aider l'âme non besoin Seigneur alléluia Seigneur Seigneur gloire alléluia au Seigneur oh gloire, alléluia, oh c'est cantique ça c'est pour lui dans des madame. Gloire, alléluia. Levez mon cri, puissance, alléluia, puissance, alléluia, oh puissance, alléluia, puissance, alléluia, oh. Bon Dieu, me fait grâce à soi, oui. Puissance, alléluia. Puissance, alléluia. Puissance. Du feu, alléluia. Du feu, alléluia. Du feu, alléluia. Du feu, alléluia. Oh Seigneur. Hey. Du feu, hey, je réclame le feu. Du feu, alléluia. Alléluia. Ça dit, en dedans, m'a dit, pour me parler avec un monde. Pour me dire, présence au classe, c'est pas mal fait, t'es pas gagné. C'est pas ouvert, t'es pas gagné. C'est pas fait, ou pas fait contour. Mais ça fait la visite. C'est la grâce de Dieu. C'est pas cela, alléluia. Il est fallu tant de coups pour vous. Vous mettez pion sous lui. C'est pas où vous mettez pion, c'est la base qui met des pieds. Et ça fait là, à soi. Moi, vous même t'avez acclamé, bon Dieu. Moi, vous même t'avez frappé. Aïe, 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 les mains pour bon Dieu, ça. Qui c'est la base de ma vie. Alléluia. C'est pas méchant, pas rien. C'est pas coup de poudre qui pas rien. C'est pas où on gâte, pas rien. Donc le Père c'est la base du chrétien. Troisièmement c'est l'huile. L'huile c'est le symbole de l'onction. L'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu dans la vie chrétienne. Il n'est pas qui tombe, il pas qui tombe tout vide dans vous-même. Vous comprenez pourquoi ça ne va pas quitter tout vide? L'huile met tous les sept lampes qui sont dans vous là. Pour Satan pas gagner droit dans la vie. Est-ce qu'on acclame bon Dieu pour ça? Pour se combler vie. Alléluia. Pour aider mieux pas qu'il contrôle, madame. Quatrièmement, c'est le feu. Le feu, c'est l'image de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, l'humain dans la vie au monde. Il faut le gain base. Il faut brancher l'huile qui est le symbole de l'onction. Et pour du feu activer. Donc Jésus n'a pas arrêté nos vies qui n'ont pas d'onction. La grâce de Dieu n'a pas reposé sur la vie au monde. T'as de l'ampli sèche. Il faut avoir l'huile pour du feu qu'a consommé. C'est l'image de Jésus-Christ. Mes chers amis, en nous voyant dans Esaïe chapitre 11, nous parlons l'Esprit de Dieu dans la vie chrétienne qui va le gagner dans la vie nous. Nous parlons les sept branches qui représentaient les sept esprits de l'Éternel. Dans Esaïe 11, toute l'église ouvre la Bible, Esaïe chapitre 11, nous allons garder les sept esprits de l'Éternel parce que le thème nous dit la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte. Donc, nous parlons la lampe de l'Éternel qui est une image du Saint-Esprit. Esaïe 11, verset 1, verset 2. Alléluia. Et c'est l'église là. Il dit, puis un rameau qui ça sortira du tronc qui est d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Et puis il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Mes chers amis, nous sommes trois les chandeliers, les grandes images de chrétiens, la vie du chrétien. Maintenant, on nous voit maintenant la lampe de Dieu, c'est l'image du Saint-Esprit. Ou après, nous avons dit que chandelier a sept branches. Regardez dans Esaïe 11, il parle de sept esprits. Premièrement, c'est l'Esprit de l'Éternel. Répète avec moi, l'Esprit de l'Éternel. Toute l'Église est l'Esprit de l'Éternel. Deuxièmement, l'Esprit de sagesse. L'Esprit de sagesse. Troisièmement, l'Esprit d'intelligence. Quatrièmement, l'Esprit de conseil. Cinquièmement, l'Esprit de force. Sixièmement, l'Esprit de connaissance. Et puis septièmement, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Donc, chandelier, c'est un type, c'est une image, ok? C'est une image du Saint-Esprit. Branche, ou après, chandelier, il y a sept branches, ou après, là, il parle de sept esprits. Gémon, il a appris ça, il mal compris, il m'a expliqué bien. Je suis tout à l'heure, chandelier, la une tige principale. Et dans la tige principale, il y a trois à droite, il y a trois à gauche, fait sept. C'est même, j'entends, le chandelier, c'est une image du Saint-Esprit. La tige principale, là, il représente la personne du Saint-Esprit. Et la branche qui connecte avec là, elle représente la manifestation du Saint-Esprit. Je me garde les yeux là. Je me dis, si je ne suis pas là, je dis, la personne du Saint-Esprit, ça connecte avec lui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, c'est la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Ou après, la branche est connectée dans trois mois. C'est même j'entends. L'Esprit de Dieu parfois est si présent, si par là. Donc la tige principale, lui représente la présence de l'Esprit de Dieu. Et branche qui connecte avec là, c'est manifestation. Donc depuis l'Esprit de Dieu, yon côté, lui obligé manifester. Depuis l'autre côté, ou même pas dit manifester, automatiquement, présence là, lui accompagner avec la manifestation. Très important. Ou après, premier bagage, il dit l'Esprit de l'Éternel. C'est l'image du tronc. C'est la tige principale. L'Esprit de l'Éternel. Deuxième bagage, il dit l'Esprit de sagesse. L'Église, prêtez attention. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de diriger. La capacité de conduire aux destinées d'une entreprise. Je reprends. La sagesse, c'est la capacité de diriger. C'est la capacité de conduire aux destinées dans une entreprise. Donc, là, on dit l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, il est là pour l'accompagner ou pour diriger Jean mon Dieu voulait. Donc, on ne peut pas diriger le monde sans avoir l'esprit de sagesse. Par contre, dis-nous là, non? Donc, diriger le monde, c'est pour un côté ou à l'apprendre, mais sans dedans lié. Ou qui doit parler français bien, parler anglais bien, cependant, ou pas qu'à diriger le monde. Diriger le peuple de Dieu, c'est pas l'argent dans la poche pour diriger. Quel est-ce que chaque dimanche, vous râlez le monde, vous allez manger. Vine manger. Et puis, depuis que vous avez manger, vous allez faire le message par vous. Ça veut dire, il a attiré le monde avec l'argent, il a attiré le monde avec manger. L'église va diriger sans l'argent, mais l'église va diriger pour l'argent. Ou pas qu'à diriger le peuple de Dieu, c'est avec fonds personnels ou à mettre brun ou dehors. Quand le leadership pas de brun, c'est une option contre le monde. Et ça fait un monde qui est conscient, bon Dieu, par exemple, à mettre derrière un contre chita. Quitter le peuple, bon Dieu, pour le monde qui est onction pour diriger là, pour venir diriger. Diriger le monde, pas facile. Et ceci, même si tu es fréquenté, puis l'école qui gagne, ça pas qualifié pour diriger le monde. Mais si tu es passé dans la plus grande faculté théologique qui t'a gagné, ça va en qualificatif pour diriger le monde. Et ça va là, quoi tu es là? Je n'ai pas besoin de l'autre position que ça me là. Prêcher l'évangile. On ne sait pas pasteur, ou bien non? On ne sait pas si c'est pasteur, ou bien non? Parce que, tu es tout sous contrôle. Famille sous contrôle. L'église.
secondes. Et s'il vous plaît, faut regarder pour comment on capable gain un contrôle sur chaque groupement qui est en dedans. Si bon Dieu parle, on fait si quoi, fait attention. Moi me demi là, m'va prendre l'autre chaise pour venir puis coude jambe coude là. Non mieux là, m'a prêté comme ça comme un enseignant qui a pensé les paroles bon Dieu, faute moi plein. M'a besoin encore et m'a mourir comme ça dans la parole de Dieu. M'a qui pièce folie pour monter l'église, pour faire ceci moi c'est là et vrai. Responsable pour m'a gagner des monde qui fréquent papa. Qui a tout seul mot là, puis gagne petit cheveux blanc qui bleu. Il y a des cheveux qui bleu, bon beauté tout bleu. Il y a des crises les qui s'ont traversé. Sous la grande tête, puis si tu as couru, oui. Qui m'a confié de la flaconte, sous la grande tête, berger, petit. Alléluia. Et ça, quand vous conscient, bon Dieu, parlez l'eau à chita, frère. Parce que minusé qui bagaille, minusé qui l'enfer, qui l'endroit. Google toi privé, c'est pas l'argent a besoin, c'est un secret de tes pour aller pour utiliser. Gon fidèle qui a un problème, son corps pour Bali, mais gon fidèle qui a un problème, c'est pas l'argent le besoin, son j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Gon mou qui a un problème, papa, mais t'es gen l'argent, il n'est pas satisfait. C'est grâce à mon Dieu qui a mis tout dehors. Et m'a dit que mon Dieu relâche l'onction de la sagesse sur l'assemblée ça. Au nom de Jésus, quel que soit mon qui a une responsabilité là, levez-moi en l'air, que l'esprit de la sagesse, que l'accompagne, non je laisse soit dirigé, non groupe d'âme dirigé, ou non corps diaconat, vous avez besoin de l'onction de la sagesse. Et quand vous avez le micro, vous avez l'huile qui a fuité, vous êtes responsable pour dire Léo, même si vous n'avez pas la terre, vous êtes là, même si vous avez un million, vous êtes là, même si vous n'avez pas compris, vous êtes là. Ouf, restez là. Parce qu'on a onction en dedans. C'est l'onction de la sagesse. Oh Saint-Esprit, couvre l'église là non avec l'onction de la sagesse. Fais chaque monde qui a une responsabilité là. C'est pas pour passer à servir mon Dieu. Et pas pour commettre à faire non. Mais c'est pour l'amour de Christ à faire. C'est pour la grâce de Dieu à faire. Donc c'est l'esprit de la sagesse. Capacité pour diriger le monde. Capacité pour conduire le monde. Jean-Bible enseigne. Ce n'est pas l'école qui va lire, mais c'est l'esprit de Dieu qui va lire. Et ce qu'on a des gens qui vont dire, ce n'est pas l'école qui va lire, c'est cet esprit qui va lire. Diriger le monde, ce n'est pas l'école. Même si vous apprenez l'administration de l'église, par les Français, frère, diriger le monde, il faut une onction pour ça. Et ça fait mourir mes Salomon. Les Salomon, y a mettre Salomon comme moi. Et puis Salomon touye mille bœufs by bon Dieu. Et puis dans la soirée, pendant Salomon fin touye mille bœufs by bon Dieu. Et puis bon Dieu dit Salomon, madame sauve-le. Ou allez-vous soit madame Mabaou. Salomon t'a dit bon Dieu, je ne sais si c'est notre temps Samuel là. Salomon t'a dit bon Dieu, bon mon marché l'un croiseur pour me conduire. L'embre à l'église. Et puis bon mon caille qui est 5 étages. Pour chaque petit monde au grand étage. Et comme ça, Salomon t'a demandé. Salomon dit, c'est un homme qui a besoin. Il y a un seul bagaille, moi, besoin qui bagaille. La sagesse. Salomon connaît depuis que sagesse, l'argent fini. Depuis que l'argent, relation a fini. Pas tout bagaille. Problème l'église. Et pas l'argent, lié non. Problème l'église, c'est onction. Parce que depuis que onction, tout soit tes besoins fini. Onction a bralé. Onction a bralé. Salomon de mon Dieu sagesse. Deuxièmement, c'est l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence lui permet tout une idée, une vision sur n'importe quel domaine. Et s'il vous plaît, l'esprit d'intelligence l'elle couvre un monde, lui fait mon une vision, une connaissance, une capacité. Même s'il pas arrivé loin l'école, mais depuis que l'esprit d'intelligence il est capable de faire exploit en vie. Combien de gens qui croient ça, hein? De vous avoir un esprit d'intelligence, même si vous n'avez pas terminé l'école, ton Dieu a pris en haut. Parce que l'esprit d'intelligence, ce n'est pas la classe qui va lire, ce n'est pas le livre qui va lire. C'est un don, c'est une grâce qui est liée. Vous avez une capacité dans toute bagaille pour le conquérir, pour le battre à la vie, pour le goûter, pour ceci, pour cela. Il a besoin de terminer l'école, non?
Quel est mon qui fait dans la vie? Il va te dire gros bagay, non? Il va te dire bagay entreprise, non? Seulement en dedans dit fait un bac sirette. Il fait bac sirette là et puis une vision qui dit regardez ouvre bac sirette là. Quand il fin ouvre et puis là la travail et puis en dedans dit faut quitter dimension bac sirette là, faut ouvrir une boutique. Et puis l'ouvre boutique. Quand il fin ouvre boutique, bah y a machama et puis il vient tourner au magasin. C'est pas l'école qui t'a appris. Mais c'est l'esprit d'intelligence. Capacité pour garder dans l'avenir. Capacité pour prendre des décisions en ville. C'est ça qui a fait le réussir. Est-ce qu'on comprend ça à l'église? Donc, l'homme qui a l'esprit d'intelligence, c'est difficile pour échouer dans la vie. Et me déclarer sous l'église, au nom de Jésus, c'est pour réussir. Levez mon nom, c'est pour réussir. C'est pour tout savoir faire, c'est pour entrer là-dedans. C'est que l'onction d'intelligence accompagne. Dans l'école où il y a, on a besoin de l'onction de l'intelligence. Dans tout le bagage de la vie, on a besoin de l'onction de l'intelligence. L'église levé pour dire Seigneur, Seigneur, bon moi onction intelligence. Frappez-moi mon doigt, dit Seigneur, bon moi onction de l'intelligence. Pour me réussir dans la vie. Pour me réussir dans la vie. Et me déclarer sous la vie, c'est pour grandir. C'est pour grandir. Économiquement. Regardez, année si je veux. C'est pour venir plus frais toujours. Et pour venir plus moyen toujours. Quelle onction de l'intelligence que la compagnie. Troisième bagage, c'est l'esprit de conseil. L'église prête ma attention, ça me va dire. Est-ce qu'on est dans le foyer qui est divisé? C'est parce qu'on a rareté de l'onction de conseil. Mais moi, je prends ça me dire. Qu'il y a un foyer qui est divisé. Qu'il y a un monde qui est séparé. C'est parce que pas un monde qui est revêtu de l'onction de conseil. Et ça fait la Bible dit, les bon monde dans le temps qui tombe dans le péché, c'est pas tout le monde qui parle par la velle. Ben moi tout ça gars on va attendre. Les gens qui tombent dans le péché dans l'assemblée, c'est pas tout frère, c'est pas tout sœur qui va venir comporter dans missionnaire ou missionnaire pour aller parler à mon nom. La Bible dit dans Galates 6, monde qui pour aller parler à mon nom, faut son monde qui ont onction de conseil. Pour le redresser avec douceur. Pour si mon a gain espoir toujours. Pour si mon a parler ta terre, le faire camper. C'est l'onction de conseil. Donc si l'église n'est pas importance avec l'esprit de conseil, ce n'est pas grand pile groupe qui va t'a divisé. Grand pile l'église qui va t'a divisé. Parce que depuis que moun moun a gagné. Depuis que moun a moun a chiré pit. Et ça fait bon Dieu mettait pour l'église l'esprit de conseil. L'esprit de conseil c'est quoi? C'est la capacité que possède une personne d'apaiser, de consoler, de convaincre, de fortifier le frangin. Capacité que possède une personne, regardez, premièrement, pour apaiser une crise, pour l'apaiser une discussion, pour passer maintenant tête maintenant pour dire, regardez, on met pose, l'esprit de conseil. Deuxièmement, lui permettre maintenant consoler l'autre maintenant, lui permettre de convaincre maintenant, et lui permettre de fortifier le prochain. L'église besoin de l'onction de conseil. Il y a des foyers qui sont en bas. Il faut que les gens qui ont onction, conseil sur lui, pour visiter les gens, pour mettre au chita, pour parler avec eux, pour prier avec eux. L'église a besoin de l'onction du conseil. L'église a soukha levé, on a fait des déclarations, dit Seigneur, Seigneur, bas-moi l'esprit de conseil. Bas-moi l'esprit de conseil. Donc, quatrièmement, c'est l'esprit de conseil. Cinquièmement, c'est l'esprit de force. La force, c'est la capacité que possède une personne à traverser des épreuves, des mauvais moments, les persécutions. Il permet à garder la tête haute, le moral, quand tout dit le contraire. Donc, esprit de force, qui ça fait? Lorsque il y a persécution, lorsqu'on entend de crise, lorsque tout le monde le fait contre tout, et puis esprit de force, lui fait une mentalité qui est positive. Même si tout le monde ne peut pas faire, mais en tête fort. Est-ce qu'on est gagné par un monde dit, c'est Satan qui fait le vin zouli. Pour si ce qu'on chante. Pour pas qu'on livre chant dans le monde. Pour pas qu'on bible dans le monde.
Et puis pendant Satan fin faire au jour ou bien jouer, laisse Satan garder les chants qui sont dans mon, bip qui sont dans mon, ou prendre l'église. C'est mon ouïe, ou sorti ça mon là. Mais attention, l'autre du milieu, mais qui est onction de force qui est dedans moi. Et me déclarer sur la vie, qui est bon, c'est bon, onction de force. Quand tout le monde qui a critiqué, quand tout le monde qui va faire avancer, quand tout le monde qui comprend façon pour jeter. C'est l'onction de conseil, c'est l'onction de force. Et ça fait Jésus-Christ. Il n'y a pas d'affronter Golgotha sans l'onction de force. Premièrement, il n'y a pas de racher Babli. Vous avez dit, il n'y a pas de cracher dans le visage. Il n'y a pas de 39 coups de bâton. Vous avez dit, il y a des gens qui ont une capacité pour exterminer les gens qui font souffrir. Et puis, il choisit de faire silence. Parce que c'est l'agneau des yeux. Jésus d'accord, et puis ça dit dans Philippiens 2, l'obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ça fait l'accepter tout ça, c'est l'onction de force. Ça veut dire l'herbe joue Jésus en dedans le fortifié. En dedans le fortifié. C'est l'onction de force. Et si vous continuez, après l'onction de force, les dit l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'éternel. Donc c'est ce type d'onction que bon Dieu relâche. Et l'église qui s'en met n'importe qui est attaché avec l'esprit de Dieu, il y a tout le bagage qui a développé dans lui. Seulement, il était à vous-même pour saisir ça. Premièrement, il dit, la tige, c'est ce symbole de la personne du Saint-Esprit. Donc, depuis personne du Saint-Esprit, on côté, l'a attiré la manifestation. L'a bralé l'onction de sagesse. La pralé l'onction d'intelligence, la pralé l'onction de conseil, la pralé l'onction de connaissance, la pralé l'onction de crainte de l'éternel. L'onction de crainte de l'éternel, il faut respecter mon Dieu. Ou respecter le travail, mon Dieu. Ou pas faire à la légère. Et ça arrive à Ananias avec sa fille. Il y a une vente au jardin, et puis on prend un cobla, et puis on porte reste là bas Pierre. Pierre dit, monsieur, dame, avec puissance ça nous te vendre, il dit, oui, Pierre. Et puis Marie a tombé, bip, il mourit. Quand sa fille a fini, pour le venir bluffer Pierre. Et puis regardez, et puis Pierre dit, monsieur, c'est comme ça. Est-ce que sa fille, est-ce que c'est pour prier ça nous téléphone le jardin? Il dit, oui, Pierre. Et puis il dit, comment ça passe? Les gens qui t'enterrent, Marie, ils ont campé dans la porte là. Automatiquement, mon c'est sort tombé. Et puis elle regarde sa Bible, elle dit, les peuples là où est ça, les peuples là ont grande crainte. Qui va qui il faut mon dans l'église faut que crainte pour mon Dieu. Bon Jean mon fini malgré le converti ça doit tirer attention pour respecter mon Dieu. Est-ce que quand des monde qui bon doit dire pas jouer à mon Dieu, pas jouer à mon Dieu. Bon Dieu ça mon dit pas bluffer mon Dieu, pas bluffer mon Dieu. Pas les monde qui a bluffer mon Dieu. C'est l'onction de chrétien de l'éternel. L'église le bon Dieu a pourquoi éteindre. Ça me dit pour ça là. Ça me dit que l'esprit de Dieu, lui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme pour quoi est-ce que ça me dit? Moi, je veux dire l'onction de sagesse, lui encore à briller. Moi, je veux dire l'onction de l'intelligence, la briller toujours. L'onction de force de conseil, la briller toujours. L'onction de connaissance, la briller toujours. Levez-moi à l'église. Que la personne du Saint-Esprit prenne place. Alléluia. Mandez pour Saint-Esprit prenne place en dedans ça. Mandez pour tige principale là commence à marcher là. Hey. Et me senti la personne de l'esprit de Dieu, lui qu'on garde dans main, lui qu'on fait son main, là commencer rempli des vases qui disponibles. Quand il m'a parlé là, soyez connecté, la personne est là, la présence de l'esprit de Dieu, lui là à soya. Et me senti lui qu'on bagaille la vide. Alléluia, levez-moi là. Que l'esprit de Dieu vide l'onction de sagesse. Quel que soit côté. Quelque chose à côtoyer. Que personne n'en touche. Que personne n'en touche. Ceci qu'on réunit, qu'on cherche un grand monde qui est là.
C'est du grand rayon dans l'enveloppe qui cherche un monde qui est disponible pour le remplir avec l'onction de sagesse. Madame, vous appelez sous vivre. Madame, vous appelez sous vivre. Monsieur, vous appelez sous vivre. Vous ne pouvez pas faire appel là. Aïe, aïe, aïe. Sans l'onction de sagesse. Posez-moi le bénir avec le ministère. Côté monde qui appelle, que l'onction de sagesse. Comment c'est vidé dans l'histoire ça? Comment c'est vidé dans l'histoire ça? Quel bon premier, quel bon deuxième, quel bon troisième, quel bon dixième, quel bon vingtième. Chaque monde qui a un appel au ministère, soyez prêts. L'Esprit de Dieu, la personne est là. La personne est là. Et soyez prêts. Parce qu'elle voulait vider. David dit, si vous avez ma tête et ma coupe déborde. Et ce qu'a levé mon lait, c'est beaucoup pour déborder. C'est pour onction sagesse, ça coule avec puissance. Dans l'espace. Déclare que Jésus-Christ est Seigneur dans tout espace. Derrière qu'on devant à gauche ou à droite. Déclare que la puissance de l'Esprit de Dieu. Lui commence par faire des 100 pas. Lui commence par passer dans mi-temps, chaque banc. Hey! Lui commence par localiser yo madame. Hey, qui chuta, quand elle chuta. De vous qu'on est voix seulement. La puissance de Dieu n'a pas de limite. De vous chuta, de vous connecter. Gon onction de sagesse. Je réclame l'onction de sagesse pour la vie, pour appel bon Dieu Baou. C'est pour diriger avec onction. C'est pour adorer, alléluia, avec onction. C'est pour loquer mon micro dans mon démon, pas qu'à camper, visite. Hey! L'onction de sagesse, c'est pour le diriger mon service. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le rendez-vous. Pas d'accord, pas d'accord, ça sous la vie, pour cette navire. C'est pour compliquer, c'est pour être chargé. Et pour ne pas faire contrôle, visite, que le feu de Dieu. Ouf. Que moi réclame l'onction de la sagesse. Levez-moi. Je réclame l'onction d'intelligence. Ouf. Oh my God. Je réclame l'onction de conseil. C'est pour qui moun là, c'est pour qui madame qui là. Regardez qui commence à remplir de l'onction de conseil. Pour mettre mon chita. Trois divisions. Trois dos à dos. Pour ça, chachons comme mon assemblée. Ah oui. Les bons comptes qui gagnent. Et puis vous aurez les là. Et puis parole lui seulement bon grâce à sortir. Oh my God. C'est le bon Dieu qui me parle. C'est le bon Dieu qui me cherche au grand monde longtemps. Hey, c'est le bon Dieu qui me assoya. C'est pour le dire. C'est pas un hasard lié. Et me sentit bon Dieu. Il y a un grand monde à chercher. Qui est trois foyers qui divisent. Il y a un grand monde à chercher là. Ou appeler pour garder, pour calmer les troubles dans les familles. Aïe, aïe, aïe. Quel que soit quand on arrive, quel que soit accompagné. L'onction de conseil, l'onction de connaissance, l'onction de la crainte de Dieu. Et moi, de toute l'église, le veux, mais l'onction de la force. Moi, de pour l'onction de la force, comment c'est saisi des mondes là. Levez-moi l'église, levez-moi. Je vais terminer. Mais si elle a demandé, alléluia, il y a une coupe qui doit remplir à soi. Bon monde qui là qui traverse une circonstance qui est difficile, la besoin l'onction de force. Ou par contre qui planification à faire contre vous-même pour y dévier cœur. Ou par contre qui bagaille Satan pas passer au monde pour le faire, pour le mettre dans nos yeux. Puis si tant, c'est bon vivre à soi, oui, si elle là, qu'on l'homme les lumières soi. Je dis onction de force. Onction de force. Onction de force, me déclare sous la vie ou pas boire poison visite. Me déclare sous la vie ou machine pas gagne de raison. Ou va fouetter ton machine encore. Quelle onction de conseil, quelle onction de force, les accompagner. Que vous marchez avec l'onction de force. Que fond bon Dieu couvre vous contrôler. Que vous soyez côté mais au côté mon levé. Que l'onction de force, qu'elle cible au contrôler. Quelque soit, aïe aïe aïe, ouf, me renverser dans ces hôtels, démoniaque, qui prend le monde faible, n'a dormi qu'au danger clair, l'esprit de l'éternel est sur moi, car il m'a oué pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, et pour le relever,
Ouf. C'est pour tout captif, Satan te voulait qu'il c'est pour chaîne ça pété au nom de Jésus-Christ dans sa lettre. Est-ce que l'église qui a campé? Est-ce que l'église qui a campé? Les bras étendus devant le trône de Dieu. Que l'onction de force, que le soufflé, sous la vie, dans l'esprit, que l'esprit fort, que l'amour fort, c'est pour gros fort. Lève-moi pour mon silence. Gémon qui commence à remplir là. Oh, ça dit qu'on force qui entre sous la vie, depuis notre cheveux, rivez juste en bas. Ouf, my God. Ou mettre pour oui, soyez connecté. Avant, moi, mais puis quoi, bon baga qui va le faire là. Bon baga qui va le faire là. La personne est là. Il faut que la manifestation soit aussi présente. Je réclame la manifestation de l'Esprit de Dieu. Levez-moi, qu'on y a. Mandez que l'Esprit de force. Qu'elle saisit l'assemblée ça. Des nouvelles langues prend pour pas fou, faut qu'on en soit de force. Gon bon fait nouvelle ou pas le temps d'après deux semaines, puis avant m'a parlé. Souva commencer à ramasser commandé. Souva commencer à mettre du akoutou. Rempli du akoutou. Ou pas comme ça qu'a pris après deux mois. Levez-moi en l'air. Ou pas comme ça qu'a pris après trois semaines sous la vie. Hey, levez-moi en l'air. Hey, my God. L'Esprit de Dieu. Voici ton assemblée. Je t'ai pris maintenant. Je t'ai pris maintenant. Je t'ai pris maintenant. Mon sac est disponible. Ou a besoin pile non. Ou besoin de monde qui prend. Monde qui prend ça. Confite. 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 L'onction de conseil. Mais de quel esprit? L'esprit de Dieu prend contrôle quatre coins l'église. Hein? Quel esprit de Dieu prend contrôle hein? Quatre coins l'église. Hein? Qui que soit pied bois qui est faible, qui a renversé son autorité. Prend autorité. Non, assemblez ça. Dans le nom de Jésus qui est Nazareth. Quel soit côté monde qui l'a. Lui est fini avec faiblesse. C'est pour l'aller fortifier. Il y a un monde qui est venu tout faible. Et vous retournez avec onction qui est dedans. Hey. Levez-moi, on l'a visite. Ouf. C'est du ciel à localiser, oui. C'est du bon Dieu arrivé sous, oui. C'est du bon manteau qui a tombé sous, oui. Alaya. C'est du bon manteau, jeune fille. Recevoir. Madame Marie, recevoir. Monsieur, recevoir. Jeune garçon, recevoir. L'onction de force. Et bon Dieu, dis-moi avec un monde. La prière, on l'a gagné un monde qui va caquer encore. Parce que ça quand donne le libre sorti. Et soyez prêts. Bon Dieu dit pour me dire faire comment. Ou pris votre temps. Mon papa comprendre encore. Parce que sortez hier. Alléluia. C'est pas lui où il est aujourd'hui. C'est pas lui où il est aujourd'hui. Je me dis. Que les gens qui regardent pour tout sortir un petit temps. Et pas même gagner. Quand tu fais. Quand bouillon dedans. Ouf. Levez mon petit. Que le feu tombe. Que le feu. C'est pour le blanquer du feu. C'est pour le blanquer du feu. Dans tout le branche en vie. Dans le travail du feu. Dans le foyer du feu. Dans le petit du feu. Dans la santé du feu. Tout le temps passé. Que du feu. Accompagné. Ouf, my God. Merci. Merci. Déclarons liberté sur l'assemblée ça. Déclarons liberté sur l'assemblée ça. Déclarer quelque soit mon nous te font alliance. Nous dormir avec les boules pas de jambes réussies. Dans le nom de Jésus qui alliance a brisé. Que alliance a brisé. Tout le monde lève main. Que alliance a brisé. Quelque soit esprit de faiblesse. Qui devait qui contrôle le monde. Mais Jean-David te dit tu es Dieu, ma tête et ma coupe déborde. Que bon l'huile qui soit tombée sous tête. Tout le monde lève main. Tout le monde lève main. Ouf. C'est pour que les chaînes qui pètent. Ouf. Que l'esprit de force souffle. Alléluia. Oh my God. Merci pour la présence là. Ouf. Merci pour madame ça qui est net là. Qui est net là. Regardez. Merci pour ça qui est en l'air. Qui est en l'air. Merci pour ça qui est net là. Ou comment ça cible là. Et bien, mais on est. Vini con. Ouh. Atmosphère, oh my God. Quoi que l'église a? Guéris tout.
bonne présence. La bonne présence, ma soeur, bon Dieu, bénis vous. Libéré. Salut, libéré. Je proclame la liberté. Vini contrôler. Vini contrôler. Atmosphère. Si la guéritude. Oh my God. Rabo Santa Yabosh. Oh my God, Daya Rabo Yamakabo, say Yamabosh. Hey, fini contrôler. Fini con. Hey, la liberté, la liberté, la liberté. La liberté, qui porte pour vous, qui porte pour vous. Qui porte pour vous. Qui porte pour vous. Qui porte pour vous. Là où est l'Esprit de Dieu. Là est la liberté. Oh my God, merci Père. Merci pour ta présence. Merci pour jeune fils Sawa. M'prions pour lui, m'prions pour lui. Vini con. Hey, soyez prêts, soyez prêts. Soyez connectés, intercesseurs, soyez connectés. Intercesseurs, on dit nous connecter. Gouverneur qui doit faire ta soya. Gouverneur qui doit faire ta soya. L'Esprit de Dieu, c'est pas un fablier. C'est une réalité liée. Moi, les tâches, nous devons être trônes. Derrière le trône de la grâce. Oh my God, active ta puissance. Oh, 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 oh. Ah. Oh. Libéré. Ça doit. L'esprit plus fort. L'esprit Yahweh. L'esprit modelant. Hey. L'esprit de la avant. Hey. Qui compte tout bagage. L'esprit de la vie. Jésus dans la mort. Fini toi. Que l'on soit décès sur ta vie. Atmosphère. Si atmosphère. Que le sang de Jésus empoisonne l'atmosphère. Que le sang de Jésus empoisonne l'atmosphère. Ça. Que vous respirez la présence de Dieu. Que vous respirez la présence de Dieu. Que vous nous respirez la présence de Dieu. Avec force. Qu'à faute. Atmosphère. On est dans vos pressés. On est dans vos pressés. Gros puissance tête chargée qui descend là. Gros grâce tête chargée. Quand c'est là, madame, soyez prêts. Et c'est pour vous, mon Dieu, voyez soirée ça. C'est pour vous, voyez moi. C'est pour vous, voyez moi. Soirée ça par la telle. Soirée ça par la telle. Trôle. Atmosphère. Si la guérit tout, ça doit guérir. Libéré, ça doit libérer. Levez-moi pour mon silence. C'est pour mon génération qui a pleuré campé. L'emploi pour qu'on éteigne. C'est pas blague liée, c'est pas blague liée, c'est en réalité liée. Et moi, pour rayon l'an plan rivé sous. Qu'on y a même. Qu'on y a même. Qu'on y a même. Li commence, li commence, li commence. Qu'on y a même. Li commence. Li commence de la droite. De la droite vers la gauche. Li commence. C'est pour qu'on rayon dans l'an plan qui frappe les yeux. C'est pour qu'on rayon. C'est pour qu'on lumière. C'est pour qu'on lumière dans l'an plan qui traverse. Tout me levé. C'est pour aveugler, ouais. Hey, c'est pour faire mieux fortifier. C'est pour faire mieux Dieu fort. C'est pour amen. C'est pour pas mieux Dieu riche. C'est pour pas mieux Dieu riche. C'est pour pas mieux Dieu riche. Hey, c'est pour pas mieux Dieu riche. Hosanna, Hosanna. Wanyo imoya Hosanna Hosanna Imui Edile Hosanna.
Dans cette assemblée, je salue la présence de l'agneau. Je respecte la présence de l'agneau. Je m'incline devant la présence de l'agneau. Amen, amen, amen. Levez-moi. Hosanna, Hosanna, hey, Hosanna, pour l'agneau. Soyez béni, soyez béni, soyez béni. Retournez avec bénédiction la caille. Hosanna, Hosanna, Jésus. Jésus mourut. Hey! Mettre des mettre la mourir. Amen. Presse la vie à mourir. Amen. Hey! Nous ne t'a restauré à l'été mourir. Papa! Mon qui t'a fortifié à l'été mourir. La force de soi, la force de soi. Fond la mer pour moi traverser, et me noyer dans l'amour. Où sauvez-moi, qu'il n'y a moins qu'à chanter. Moi c'est ici, mon Dieu. L'église au fond. Ou fond l'homme pour moi. Que l'homme a fond devant. L'homme est devant. Quel fond devant. Soyez dans l'amour. Soyez béni. Ou sauvez-moi, Kounia, moi, cap, chantez. Moi, c'est. Pitié, bon Dieu.